Bonjour, je m'appelle Ignace Abineza. J'ai intégré le groupe Caus en 2010 comme assistant à l'exploitation. Actuellement, je suis responsable de développement des outils, et notamment les outils liés au contrôle des programmes, parce qu'on fait les programmes de course pour différents clients. Je fais aussi l'outil qui est lié à la communication entre les utilisateurs du système STAR 3000. L'outil envoie des mails aux besoins si jamais il y a un incident sur le système ou une information à communiquer en masse. On va envoyer des mails ou des SMS d'alerte aux différents clients. Je travaille aussi sur le développement d'Android, de terminal de prise de Paris, de vente des smartphones. Et les challenges techniques qu'on a, c'est qu'on a un système qui est un peu spécifique aux prises de Paris. Donc il faut avoir les connaissances en général en informatique et après se spécialiser à notre système, le STAR 3000. C'est un monde complètement différent par rapport à ce qu'on va trouver dans les domaines qu'on a au quotidien. On est basé sur un modèle en mode V. On va commencer par tout ce qui est la conception, après on va arriver au codage et après on remonte tout pour ce qui est les tests unitaires. Donc, si je devrais convaincre un développeur de nous rejoindre, chez nous on est très ouvert. Il faut aimer le travail en équipe et aimer aussi les défis. Parce que depuis que j'ai entré dans la société, on a toujours les exigences et la barre qui se met de plus en plus haute. Quand on a commencé, c'était des petits logiciels simples, des pages web. Aujourd'hui, on travaille sur des web services, des applications sur les mobiles, etc.